Bien, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, parlons de l'étude dont vous nous avez parlé. En fait, l'étude présente un scénario difficile pour toute une série de productions. Le riz, le sucre, la volaille et la viande rouge, où la production diminuerait et où les prix diminueraient. Et on appelle ça des scénarios ambitieux ou conservateurs. Effectivement, c'est interpellant. D'autant plus qu'on nous propose un scénario pour le lait, on aurait des gains mirlifiques. C'est pas vrai. Le lait, selon le scénario, le prix augmenterait de 2 à 7%. Est-ce que vous savez que le prix de base au moment où l'étude a été faite était de 25 cents au producteur, plus 7% égale 26,75 cents. Et donc, bien en deçà du coût de production. Donc c'est un leurre. Alors Madame Malmström, je suis désolé, mais je ne vais pas vous poser de questions, ça ne sert à rien. Parce que vous restez concentré dans vos certitudes ultralibérales, et il est clair que certains accords sont néfastes pour l'économie, pour certains secteurs de l'agriculture. Et je vais vous poser une question, vous avez des accords avec l'Afrique qui seront soumis au Parlement européen. Aujourd'hui, sur le marché de Dakar, on exporte nos surplus, puisqu'on abandonne nos mécanismes de régulation, on exporte nos surplus à vil prix, qui concurrencent par la politique de développement et les petits producteurs africains. Ce sera pire après vos accords que vous allez nous proposer. Est-ce que vous êtes fiers de cela? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à maintenir que tous les accords de libre-échange augmentent le bien-être des populations partout où ça se passe?